Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette typiquement de saison. En tout cas on commence à bien rentrer dans la saison des abricots. Et moi c'est l'un de mes fruits préférés. Donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite recette vraiment top. Donc aujourd'hui crumble de farine de sarrasin. Donc crumble sans gluten en plus de ça pour ceux qui ne consomment pas de gluten. Abricot, romarin, pistache. C'est un mélange, c'est une tuerie. Honnêtement et c'est surtout très très facile à faire. Très peu d'ingrédients et vous allez voir également très peu de temps de préparation. Et c'est un dessert. Un goûter ou vous le mangez quand vous avez envie qui est parfait pour la période actuelle. Et pour cette recette vous aurez donc besoin d'1,5 kg d'abricots, d'une petite branche de romarin frais, ou vous pouvez même utiliser du romarin sec si vous n'en avez pas. Je vous conseille quand même le frais, ça c'est pour la petite compotée. On a ensuite besoin de 100 g de poudre de pistache. Alors c'est de la poudre de pistache que j'ai fait maison, j'ai pris des pistaches non salées que j'ai mixées. Ça marche très bien avec de la noisette, de la noix, de la noix de pécan, même de l'amande. Donc la poudre du fruit sec qui vous fait envie, pistache de préférence. 110 g de farine de sarrasin, 75 g de beurre, et là ensuite j'ai séparé en deux portions du sucre muscovado, 50 g et 75 g. Et nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors pour commencer cette recette, dans une poêle avec un filet d'huile neutre, pépins de raisin par exemple, on met nos abricots et les 50 g de sucre muscovado. On rajoute la branche de romarin et on laisse bien compoter. À feu moyen, tranquillement. Le sucre va légèrement caraméliser. Lorsque vos abricots ont cette consistance, vous rajoutez toute votre poudre de fruits secs. Vous mélangez bien et vous réservez de côté. Dans un récipient, vous rajoutez l'autre pesée de sucre muscovado, la farine et le beurre coupé en dés bien froid. Vous sablez le tout à la main pour avoir de gros morceaux de crumble. Et une fois que votre compoté est refroidi, vous l'adressez dans un plat à gratin, vous étalez bien et vous rajoutez tout simplement par-dessus le crumble. Et vous enfournez le tout à 200 degrés pendant 15-20 minutes à surveiller. Votre crumble doit avoir cette belle couleur bien dorée et vous pouvez le terminer avec des abricots frais par-dessus ou tout simplement ne rien mettre. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Alors vous avez vu, j'ai plus la même tête ni le même t-shirt, mais en fait cette scène là de la fin de vidéo, j'avais oublié de vous la tourner. Donc voilà, on est un autre jour et j'ai refait un autre crumble, mais comme ça on l'aura pour la maison. Il est délicieux, c'est une association qui marche très bien, qui est très connue, abricot romarin, mais avec la petite poudre de pistache, etc. Ça apporte vraiment quelque chose en plus, donc n'hésitez pas à essayer. Et puis si vous n'avez pas de pistache, comme je vous l'ai dit en intro, la poudre de fruits secs de votre choix. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt avec une prochaine recette. Ciao !